Et il a fallu batailler très très dur parce que ça part très vite à côté. Je me disais qu'il nous préparait un truc aussi parce qu'il a 20 ans de moins que nous. Et d'arriver à nager comme ça, le premier 100 mètres très très rapide, c'était un risque, mais en même temps, il a eu le courage de le faire quoi. Donc il fallait tenir derrière. J'ai eu un peu peur dans les derniers 50 parce que je sentais Richard revenir. Et il me dit grandis-toi, cherche pas à accélérer n'importe comment, sois efficace. Puis les derniers 15 mètres, il faut appuyer le maximum. Le temps au bout, il est bon, donc je suis content du temps. 3:01:38, il n'y a rien à dire. Maintenant, voilà, une belle médaille d'argent cette fois-ci. Bon. Il y a des belles médailles d'argent, il y a des belles deuxièmes. Il y avait des mauvaises troisièmes places, des très mauvaises troisièmes places, qui étaient difficiles à digérer quand même. Et il y a des belles médailles d'argent, la première et la dernière, qui sont vraiment deux belles médailles d'argent, vraiment très belles. Prêt ? Allez ! Allez ! Et prêt, allez. Allez. Et prêt, allez. Allez. Allez, c'est parti. Aïm, on vous sent encore plus en joie là après cette cérémonie. La déception de la finale est passée déjà et puis c'est surtout cette médaille qui doit faire du bien. Ah, déception, oui, on est déçus. Après, on savoure le moment, le public. On remercie tous ceux qui nous ont soutenus, c'est le moment. On est content de ce qu'on a produit toutes ces années à travailler, les entraînements. Du coup, voilà, là on souffle, c'est la fin des Jeux. Demain, cérémonie de clôture. Du coup, on peut souffler. On a eu une longue période de compétition. C'était dur, éprouvant pour tous. Et voilà. Quel bilan vous faites de ces Jeux paralympiques à titre individuel ? Trois épreuves, trois médailles. Voilà. Je suis content.